Certains disent que c'est le film le plus glaçant du monde. Lorsque les spectateurs ont vu la fin, ils ont tous, sans exception, quitté la salle en colère et le film a été boycotté par tous. Ceux qui l'ont vu une fois ont refusé de le revoir. Il s'agit du meilleur film sorti en 1996, Funny Game. L'histoire se déroule lors d'un week-end ensoleillé. George et sa famille sont en vacances dans leur maison au bord du lac. Lorsqu'ils passent devant leurs voisins, les Green, ils sont déjà là. Il y a aussi deux jeunes hommes étranges. Les George se sentent un peu bizarres. Mais ils n'en ont pas fait grand cas. Ils ont simplement demandé à Green de venir dans 20 minutes pour les aider à décharger le bateau dans le lac. Green regarde les deux jeunes hommes à côté de lui et accepte d'aider le couple. Ils arrivent bientôt à leur chalet. Alors qu'ils étaient en train de faire leur bagage, Green et un jeune homme sont arrivés. Curieusement, le chien, normalement gentil, aboyait contre le jeune homme. Green a dit que le jeune homme s'appelait Paul, le fils de son associé. Mais ni l'un ni l'autre n'a remarqué le regard étrange de Green. Ils ont aidé George à mettre le bateau à l'eau et sont partis. George resta avec son fils David pour ranger le bateau. Sa femme retourna à la maison pour préparer le dîner. On frappe alors à la porte. Voyant qu'il s'agissait du petit gros qui venait d'apparaître dans la cour du voisin, elle baissa sa garde et l'invita à entrer. Le gros homme s'est tortillé et a dit que la famille de Green voulait des œufs brouillés avec des tomates. Alors ils lui ont demandé de venir emprunter des œufs. Anna n'a pas réfléchi et a pris 4 qu'elle a donné au gros homme. Cependant, avant de pouvoir quitter la maison, il a laissé tomber tous les œufs sur le sol. Mais Anna ne s'est pas fâchée. Elle a plutôt trouvé ce petit gros maladroit un peu mignon. Mais le gros a demandé 4 supplémentaires. Et Anna n'a pas voulu les lui prêter. Mais quand elle a vu à quel point il était embarrassé, elle n'a pas pu refuser. Mais cette fois-ci, Anna a décidé de les emballer pour lui. Mais alors qu'Anna cherchait le journal, le gros a fait tomber son téléphone portable dans l'évier. Le temps qu'Anna réagisse, il était déjà trop tard. Le téléphone était déjà dans l'eau et ne pouvait pas être allumé. Anna n'a pu que l'essuyer avec ses vêtements, frustrée. Mais le gros refusait toujours de partir. Anna n'a eu d'autre choix que d'emballer les œufs, en espérant que ce fléau s'en irait bientôt. Après le départ du gros homme, Anna secoua la tête, impuissante, et soupira qu'elle n'avait vraiment pas eu de chance aujourd'hui. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'est que des choses encore plus malchanceuses étaient à venir. Il s'avéra que le gros homme était de retour, et cette fois-ci, il avait emmené Paul avec lui. Anna pensait qu'ils étaient poursuivis par le chien. Mais le comportement anormal du chien n'attira pas son attention. Au contraire, elle l'a grondé plusieurs fois et l'a fait fuir. Anna s'est inquiétée et a demandé s'ils étaient blessés. Le gros homme a dit qu'il avait cassé des œufs en s'enfuyant et qu'il voulait en emprunter d'autres. Paul, quant à lui, a jeté un coup d'œil sur les clubs de golf coûteux de son mari. Puis il a pris un club de golf et a dit qu'il voulait l'essayer. Anna a voulu dire non, mais il ne lui en a pas laissé le temps. Anna était sur le point de dire au gros homme de partir lorsque les aboiements du chien devinrent si intenses que George et son fils les entendirent depuis le lac. Il s'apprête à réprimander, mais les aboiements du chien s'arrêtent brusquement. George pensa que quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'Anna, en colère, a trouvé Paul. Elle saisit les gourdins et demande aux deux jeunes hommes de partir immédiatement, ne cachant plus ses émotions. Pendant qu'ils se disputent, George revient avec son fils. Voyant la mine déconfite de sa femme, George la prend à part pour comprendre ce qui se passait. Lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, il est lui aussi très en colère. Il leur demanda de partir immédiatement. Mais Paul et le gros entourèrent George et lui demandèrent pourquoi il était si méchant alors qu'il ne s'agissait que de quelques œufs. Devant leurs expressions provocantes, George n'a pas pu se retenir plus longtemps et a giflé Paul. Et le cauchemar de la famille a commencé. Le gros ramasse sa queue de billard et frappe George durement au genou. Les deux hommes prennent rapidement le contrôle de la famille de 3 personnes. C'est à ce moment-là qu'ils enlèvent complètement leur déguisement et qu'ils commencent à torturer les 3 personnes de façon brutale et malsaine. Paul a d'abord conduit Anna vers le chien qu'il détestait. L'obstacle qu'il a dit vouloir supprimer était le chien. Il a ensuite emmené Anna au lac et lui a dit de dire à ses amis qu'elle était en visite. Car le gros homme détenait toujours son mari et son fils. Anna a perdu une belle occasion de les sauver. Il en va de même pour la scène où elle est passée devant la maison de Green. Anna ne pouvait s'empêcher de pleurer à l'idée de ce qui allait arriver à sa famille. Mais Paul et sa femme étaient loin d'être au bout de leur peine. Ils ont admis qu'ils étaient des toxicomanes et qu'ils devaient voler des gens riches pour acheter plus de drogue. Et ils ont même parié avec la famille qu'ils survivraient après 9h demain matin. Cependant, Paul a tourné son visage vers la caméra, comme si le pari n'était pas avec la famille George, mais avec nous, devant l'écran. Et naturellement, il nous entraîne dans un pari que nous ne pouvons pas gagner. Et la famille George n'a pas osé résister et n'a pas pu parce que leur fils a été arrêté par Paul et mis sous cagoule. Après les humiliations et les coups, Paul a obligé Anna à se déshabiller en public. Le seul but était de vérifier si Anna avait de la graisse sur le corps. Anna voulait refuser, mais son fils était entre ses mains et elle n'a pu que serrer les dents et céder. Son fils David avait déjà été effrayé au point de mouiller son pantalon. Le gros homme a dû l'emmener aux toilettes. Anna et son mari se sont précipités pour riposter. Mais ils ne font pas le poids. Bientôt, le couple est à nouveau sous contrôle. Mais cela a permis à leur fils de s'échapper. Il s'est rendu chez son voisin Green pour demander de l'aide. À son insu, la famille Green avait déjà été tuée par les deux pervers. David n'hésite pas à appuyer sur la gâchette de Paul, mais le pistolet est vide. C'est ainsi que David a été ramené. En plus de Paul, il y avait aussi un fusil de chasse provenant de la maison des Green. Un fusil de chasse avec des balles. Pour punir David de s'être enfui, les deux hommes commencent un autre jeu malsain. Ils ont estimé l'âge d'Anna à 35 ans. Il a donc demandé au gros homme de compter et de tirer sur le numéro 35. Pendant qu'il allait à la cuisine chercher quelque chose à manger, alors qu'il fouillait dans le réfrigérateur, un coup de feu a retenti dans la pièce et une plainte déchirante a résonné dans le ciel. Le réalisateur ne montre pas au public les scènes sanglantes, mais nous laisse deviner qui est mort. Au moment où tout le monde est sur le point de s'effondrer, la dernière chose que nous voulions voir, c'était David, le plus jeune des 3.
M et Madame George ne peuvent plus pleurer. Le coup de feu leur a ôté tout espoir. S'ils avaient le choix, ils n'hésiteraient pas à prendre la balle pour leur fils. Mais la réalité est si cruelle. Au bout d'un temps indéterminé, Anna entend les deux hommes s'éloigner et ose sauter dans la cuisine pour chercher un couteau. Après avoir coupé les cordes, le couple s'est serré dans les bras et a pleuré. Mais la première chose à faire était de sortir de la maison, car c'était leur seule chance. Mais la porte avait été verrouillée par Paul et George, avec une jambe cassée, ne pouvaient pas sortir par la fenêtre. Ils se sont donc précipités sur leur téléphone portable et ont constaté qu'il fonctionnait. Mais George compose le numéro et se rend compte qu'il n'y a pas de son. Anna doit maintenant sortir seule pour aller chercher de l'aide. Bien qu'elle soit si nerveuse qu'elle en a des haut-le-cœur, elle s'adapte. Anna apprend à George à sécher le téléphone avec un sèche-cheveux et à appeler la police s'il compose le numéro, tandis qu'elle sort chercher de l'aide. Le couple a fait ses adieux, car c'était probablement la dernière fois qu'ils se revoyaient. Anna s'est ensuite échappée, coupant la clôture pour atteindre la maison des Green et appeler à l'aide. Il lui a fallu un certain temps pour réaliser qu'ils avaient tous été tués. Elle n'a pas eu d'autre choix que de courir à pied jusqu'à la ville. Et à mi-chemin, elle a vu un feu de circulation au loin. Craignant qu'il s'agisse de la voiture de deux démons, Anna s'est cachée dans les buissons au bord de la route. Le temps que la voiture s'approche suffisamment pour qu'elle se rende compte qu'il ne s'agit pas des deux salauds, ils l'ont déjà dépassée en trombe. L'occasion a filé entre les doigts d'Anna. Désespérée, elle poursuit sa route, espérant croiser un autre véhicule. Bien sûr, en l'espace de deux pas, une autre voiture est apparue devant elle. Anna s'est retournée et a décidé de tenter sa chance. Malheureusement, elle perd à nouveau. Le couple s'est allongé sur le canapé, désespéré, les écoutant discuter tous les deux de la suite de leur jeu de malade. Tout ce qu'ils voulaient, c'était mourir. Mais comment ces deux animaux pouvaient-ils les laisser partir si facilement ? Paul détache Anna et lui dit de prier Dieu pour une mort plus rapide et de réciter la prière mot pour mot. Sinon elle sera torturée sans fin. En écoutant les cris déchirants de son mari, Anna trouve le courage de prendre le fusil de chasse sur la table et d'appuyer sur la gâchette du gros homme. C'est aussi le moment le plus frustrant du film, et la direction normale de l'intrigue. Mais le réalisateur ne l'a pas vu ainsi. Il semble avoir fait une erreur de tournage où son cœur est si sombre. Il a laissé Paul prendre la télécommande et tout rembobiner. Le temps est revenu au moment où Anna a prié. Mais cette fois-ci, Paul était prêt et a abattu son mari George parce qu'il n'avait pas terminé le jeu. Après une longue nuit de torture, ils ont mis Anna sur le yacht comme un zombie. C'est alors qu'Anna a trouvé le coupe-câble que George avait laissé sur le bateau. Elle a une lueur d'espoir, mais avant de pouvoir couper la corde, elle est poussée dans le lac par les deux hommes. Parce qu'elle ne peut pas gagner à ce jeu. Ensuite, Paul frappe à la porte de la meilleure amie d'Anna, également en tant qu'ami, également sous le prétexte d'emprunter un œuf, et réussit à gagner sa confiance, ce qui signale également que le prochain jeu est sur le point de commencer. À ce moment-là, Paul tourne à nouveau son regard vers la caméra, comme s'il disait au public « Que pouvez-vous me faire ?»